You're tuned to Crash FM. Welcome back to the world of burnout. This time, everyone's out for revenge. It's taken event organizers over a year to find the ultimate locations to fight and crash. Competitors will be charging hard through those newly scouted routes. You're tuned to Crash FM. Welcome back to the world of burnout. This time, everyone's out for revenge. It's taken event organizers over a year to find the ultimate locations to fight and crash. Competitors will be charging hard through those newly scouted routes. You're gonna have to stay sharp, because this time they feature alternates, shortcuts, and big air opportunities. We'll be going coast to coast in North America, heading east from Angel Valley. Then swinging by the technical backroads of Lone Peak. Inland industrial landscapes of Motor City. Make way for the super fast freeway at Sunshine Keys. It's a revenge world tour, remember? So we get to rip it up right through the heart of Europe. Dangerous curves of White Mountain make way for the cobbled streets of Eternal City. Buckle up, people. And of course, we get to go long haul. Where the right side of the road is the wrong side of the road. Through the neon-filled nighttime Eastern Bay, then tear through the urban hills of the awesome Central Route. Without a doubt, abilities will be pushed to the max on the Revenge World Tour. Now, for the first time in burnout competition, same way traffic is there to be nailed. We call it checking traffic. Checking traffic. It's not just the rules and events, all the rides are different too. Gentlemen, start your engines. New competitors have entered the burnout circuit. Local talent will mix it up with the hottest burners from last year. Check out the hot new GP action, where the very best of the hometown racers duke it out with those from out of state. Brand new to the racing action this year is the destructive Crash Breaker event. If you get taken out, detonate your vehicle for explosive revenge. Fresh for this year is the new Eliminator format. Don't get caught in last place when the timer gets to zero. Road Rage, the crowd favorite, is back and even better than before. We'll be pitting competitors up against Rage rivals with some surprises thrown in for good measure. You better be prepared. One-of-a-kind, custom-designed crash courses for the ultimate in destruction. Driver
hackers are gonna have to blow it up huge to win these new events. Et c'est bien, c'est parti! J-Borg, passe à la scène suivante! Et nous sommes de retour après un long moment! Hello! XG de retour! Bonsoir! Bonsoir les fantômes! Bonsoir les zombies! Bonsoir, bonsoir. Allez, n'hésitez pas à venir. Bonsoir, bonsoir. Allez les zombies, allez les fantômes. Soyez prêts pour le premier live d'XG sur Burnout Revenge. Mais version HD, version 2021, version Halloween 2021. C'est normal, J-Borg, on n'a pas fait de déco d'Halloween. Mais je crois que cette année, on avait juste ras-le-bol d'Halloween. Alors qu'on aimait, on aime bien cette fête. Mais c'est, je sais pas, il y a des années où on n'a pas envie de faire de fêter Halloween. Donc voilà. Voilà, là-bas, je voulais faire un petit Resident Evil 2, mais J-Borg, il a tellement voulu faire Burnout Revenge, et voilà quoi. Oui, on n'a pas fait d'annonce parce que c'est une surprise. C'était une surprise. Notre retour est une surprise. On a eu tellement de problèmes techniques et ça rejoint le titre de notre live. Vu que tout notre équipement est carrément cassé, ben on a envie de tout casser. We wanna destroy everything. Ma voix de death metal. Pas de black. J'avais joué du black. Voilà, voilà. Oh mince. Le ciel noir de retour. Alors attends, J-Borg, je te laisse relancer. Bon alors ce soir c'est un peu spécial, jusqu'à maintenant on a sur Grip on a fait J-Borg à la manette, moi au micro, mais maintenant on va switcher les manettes, donc J-Borg va faire une course et après moi je fais une course, mais moi je vais continuer à parler entre deux, donc voilà. Top, le ciel est clair. Go! Et ça c'est un mode ce n'est pas une course. C'est un mode où il faut tout casser, mais vraiment tout casser, je déconne pas. Ouh. Dance, dance. Excusez-moi, je crois que j'ai parlé trop près du micro. Hein. Fais juste une petite publication et j'arrive tout de suite. Je reviens tout de suite. Voilà, voilà, veuillez m'excuser. Ah, J-Borg. Même les robots ont la haine. Envers les bagnoles. Bon, en fait, les bagnoles sont des robots. Hein. C'est juste des robots sans cerveau. Nous, c'est le chauffeur le cerveau. Hein. Ouh. Peut-être baisser un peu
son du jeu, voilà, juste un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux. On est tellement content d'être de retour qu'on n'a même pas parlé, même pas présenté le jeu pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors il s'agit de Burnout Revenge qui fait partie de la fameuse série Burnout, cette fameuse série licence de jeux de course où il faut tout simplement, c'est une course, être premier et puis casser les véhicules, faire des takedowns, etc., etc. Donc en gros c'est un jeu très arcade où tu casses le capot de tous les véhicules possibles. Et le Burnout Revenge, il s'agit d'un Burnout 4, c'est le 4 en fait, c'est juste qu'ils ne l'ont pas appelé Burnout 4. Et puis voilà, après avec J-Borg on n'est pas très d'accord sur le meilleur Burnout de tous les temps. Ils considèrent que celui-là c'est le meilleur. Moi, même si je l'adore et j'ai grandi avec ce jeu également, on a grandi ensemble avec ce jeu. Je considère le 3 comme le meilleur Burnout, mais je pense qu'on fera un live l'année prochaine pour prouver à J-Borg que le Burnout 3, non seulement il est top, mais il est meilleur que Burnout Revenge. À voir. Oh, mais il casse vraiment tout, hein. Vous voyez, pour avoir la jante en or, il faut 500 000 dollars de dégâts. Et J-Borg, il a 1 million de plus. Non mais ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Regardez-moi ça. 1 million 7. Et en passant, pour revenir à nos problèmes techniques qu'on a eu, peut-être que vous entendez le micro, j'espère que le son de ma voix n'est pas est potable. Parce qu'il faut savoir que on a dû arrêter temporairement les lives pour deux raisons. D'abord le micro qui a dégénéré après le live de grippe. On a dû interrompre le live de grippe après une heure de stream. Et puis ensuite, notre PC qui a lâché, qui a eu trop de problèmes, etc. Donc on a dû tout refaire et c'est tout bon. Par contre, je peux vous dire que c'était chiant de tout reconfigurer. Mais on a profité pour faire mieux. Déjà, l'overlay, je suis très fier. Maintenant, on peut voir à gauche Twitch et à droite YouTube. Team Twitch, Team YouTube. Allez, ouh! 3 secondes, 4, 7, ça a monté. Ouh là là. J-Borg, est-ce que tu conduis ou est-ce que tu joues au bowling? Ou est-ce que tu fais une course? Non, une course contre la montre. Non, ce n'est pas une course contre la montre. Je joue au bowling sur la route. Alors, si, mesdames et messieurs, si vous avez un enfant qui a un test de physique à la rentrée scolaire, en tout cas, sur vous, la rentrée scolaire sera lundi, et qu'il aura un test de physique sur la gravité, ne le fais pas jouer à ce jeu, parce qu'il risque d'avoir une mauvaise note. Non, parce que vous poussez un véhicule, non, les véhicules vont pas partir comme ça. Hein. Les véhicules sont un peu plus lourds. J-Borg pourra confirmer. Voilà pourquoi ce jeu est très arcade. Oh, un crash! 10 secondes! Non! Enfin non, mais il a assuré. Awesome! Goal! J-Borg, serais-tu d'accord de me passer la manette pour
la prochaine course. Oh, tu veux pas? Égoïste, va. Égoïste. Oh, moi je vous propose de lancer un vote. Est-ce que Gborg est égoïste? Attends, on a une toute nouvelle fonctionnalité pour voter. Si Gborg est égoïste ou pas. On est prêt? Oh. Son véhicule. Je vous jure, on va vraiment le faire. J'ai peur, je vais vraiment lancer le sondage. Est-ce que t'es quelqu'un d'égoïste ou pas? Donc voilà. Donc ce n'est toujours pas moi qui joue, c'est Gibor qui garde la manette. Alors, ce sera le tout premier sondage en live. Alors ça, c'est pour les devs, dans les Demon's Souls, etc. Les Dark Souls. Voilà, Bentley. Voilà. Ah. Il faut faire juste une petite configuration. Après, je lance le sondage. C'est bon! Voilà. Ouais, ce jeu il est un peu bizarre parce que lorsque tu dois faire une petite manip, sinon le ciel est noir. Et tu comprends rien. Le ciel devient noir. Donc c'est juste dommage. Et non, c'est pas un noir genre il fait nuit. Non, c'est un noir noir. Il y a même pas d'étoiles, il y a même pas de lune, c'est noir. Donc c'est juste moche. Tu vois qu'il manque un truc au jeu. Donc il faut appuyer sur un bouton comme un bourrin pour qu'il y ait un ciel. Mais voilà, c'est bon, on a le ciel. Alors. Je lance le sondage. Ok, vous avez 3 minutes pour répondre à la question suivante. Mais j'ai mis 2 réponses. Ah, mais je l'ai pas ajouté. Voilà. Donc, en plus, c'est toi qui poses la question, Gborg, vu que t'es le modérateur. Ah, je t'ai piraté, Gborg. Je t'ai obligé à poser ma question sur le live. Est-ce que Gborg doit passer la manette à Xenox, alias moi? Donc, si vous êtes d'accord, si c'est oui, tapez sur 0. Si c'est non, tapez sur 1. Là, c'est toujours Gborg qui joue. Alors, oh, salut Emma Deagle, comment vas-tu? Attends, il me semble que tu dois juste écrire 0 et ça devrait fonctionner. Juste un 0. Je sais que la première fois, je l'avais loupé. Et puis là, ça devrait compter. Non. Ouais. C'est bizarre. Toujours pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais le faire. Ça m'énerve. Ah, ça tombe bien. Je suis avec mon compte personnel. Xenox TV. Je vais mettre le live de XG. Notre live. Alors. Je teste
Ah mais attends. Alors, j'ai une vote qui a été comptabilisée. Est-ce que... Mais est-ce que c'est moi qui a comptabilisé ou c'est... Je comprends pas. Vojiborg est un égoïste, passe la manette mec. Voilà. Je suis tellement saoulé par le fait que Jiborg ne passe pas la manette que je sais même plus ce qu'il fait. Ah, il me dit après, c'est bon, il a craqué. Il va me passer la manette. Le mode Road Rage. Alors. C'est bon. Alors Jiborg il a dit sur déjà sur le chat que c'est bon. On a voté oui. Je m'excuse pour la déconcentration. Hein. C'est bon, on arrête de déconcentrer Jiborg et il va me passer la manette. C'est bon. Faut que je lance des votes plus souvent. Ok. Ah, t'as fait un takedown signature. Allez, oups. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les takedown signature, en fait, un takedown, c'est lorsque tu propulses l'adversaire, un véhicule adversaire. Voilà. Tu le propulses, mais en fait, tu le démolis carrément. Et il y a des endroits qui sont assez sympas pour démolir des véhicules et ça fait des photos, ça fait des takedown signature. C'est ça en fait le concept. Ah oh, c'est bon. Alors là, on passe au mode contre la montre. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous expliquer ce que c'est. Pour être le plus rapide. Et il faut faire un chronomètre inférieur à 1 minute 40. Souhaitons bonne chance à Jiborg. Remarquez la technique de Jiborg avec son nitro. Alors 1 minute 23. Est-ce que ça va être bon? Cinq, quatre, trois. Et t'as freiné au dernier moment, t'as fait exprès. Bravo Jiborg.
Voilà, le but c'est d'avoir un maximum d'étoiles et là, pour le moment, on fait un sans faute. C'est top, c'est top. Donc là, t'as un nouveau rang qui s'appelle Unsafe. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui a déjà joué à Burnout, à Burnout Revenge ou à un autre Burnout? Alors. Mon mode préféré. But it's not as easy as just rolling your car into a junction. First up, you need to learn about... Pendant le chargement, je vais vous expliquer le concept de ce mode, le mode crash. C'est le mode où il faut casser le plus de trucs possible. Eh, on dirait la Suisse. Très calme. Très très calme. Et voilà, ça explose, c'est parti. Explosion de ouf Godin. Swiss roll. C'est beau. Dans chaque sport lié à la Suisse, il y a toujours un Albanais qui pète tout. Shaqiri au football. Et dans mode crash, nous avons Gyborg. Pixel Ninox est aussi d'origine albanaise, mais qui commente. Mais je pète dans les commentaires, donc voilà. Je pète aussi, je la pète aussi. Je pète tout. Enfin, vous m'avez compris quoi. Awarded for blowing up 20 vehicles. Si vous avez saigné des oreilles à cause de mon accent anglais, je suis désolé. Et encore une course contre la montre. Et Gyborg porte une plaque d'immatriculation dont je n'ai jamais vu. Une plaque de l'Union Européenne, je ne sais pas. Mais c'est sympa. Après tout, ce n'est qu'un jeu vidéo, donc voilà.
tellement concentré que j'arrive même plus à parler. Allez. Oh. Oh. Non, je vous rassure, je ne fais rien d'anormal. Je suis juste surpris en bien. Je suis trop content pour J-Borg. À 2 secondes. Yeah, 2 secondes. Ah, les 5 étoiles en feu. Nous sommes tous en feu ce soir. Enfin... Non, nous sommes pas en feu. On est juste après la brûlure. On a une peau de zombie. On est en fantôme. Voilà quoi. Donc... Ouais, en fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû me déguiser en homme de feu. Un homme qui brûle constamment. Personne n'a pensé à ça pour Halloween. Franchement, ça peut être effrayant, un homme qui brûle non-stop. Mais c'est effrayant. Oh, mais cette bande son, ça m'a manqué. Ça m'a manqué, moi qui ai joué à ce jeu. J-Borg a aussi joué à ce jeu il y a quelques années en arrière. Oui, parce que je connais bien J-Borg. Et là, c'est une, tout va bien. C'est le mode course. Donc là, le but, c'est d'être premier. Mais J-Borg, il ne fait pas que ça. Il pulvérise tout le monde. Alors, il y en a, ils essaient d'être le plus rapide pour être premier. Et il y en a d'autres, comme J-Borg, bah, ils massacrent tout le monde pour être premier. Ce qui marche très bien également. Mais ce qui est encore mieux avec J-Borg, c'est qu'il est rapide et il massacre tout le monde. Donc, double combo. Oh, attention. Oh là là, il t'a tapé. Il t'a tapé. Eh bah, tu l'as massacré. Allez, premier. Moi, je dis, il faut pas attendre les autres. Il faut foncer, sa mère. Toujours premier, c'est top. Alors, par contre, il manque. Il y a bientôt plus de nitro. Le dérapage pour remplir un peu le nitro. L'esquive. Qui... Ouais, c'est top. Vous savez, si on est... lorsqu'on esquive les véhicules civils, bah on gagne du boost. Non, Emma! Je suis tombé en rade de batterie. Aïe aïe aïe, recharge ton attel ou ton ordi, je ne sais pas sur quoi tu nous regardes. C'est dommage. Eh mais salut Yann Ruby, comment vas-tu? Ah sacré Yann. C'est fou, on a du public ce soir, ça c'est trop bien. Sur smartphone. Alors, il est où le chargeur Android? Il me semble que t'avais un Android. Oh, hey, t'as fait un takedown vertical, J-Borg. Je l'ai même pas vu. Oh, je suis dégoûté. C'est beau, les takedown vertical. En gros, le takedown vertical, c'est... Tu as ton véhicule, tu tombes par terre et t'écrases ton adversaire en l'écrabouillant. Clap. Oh, j'ai loupé cette scène. Faut que je regarde la rediff pour voir ça. C'est dommage. Oh, Bullet for my Valentine. Xenox le métalleux qui entend ça. Oh, take down.
incroyable. Aïe 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 aïe. À part ça, c'est beau la version HD de Burnout Revenge. C'est ultra beau. C'est tellement en haute définition qu'on voit une ligne devant qui nous suit. Bon, personnellement, ça me dérange pas trop. Et toi, Géborg, j'espère que ça te dérange pas trop non plus. Alors, c'est bon, on est quitte. Enfin, on est quitte, hein. On est tout à fait d'accord. Oh, j'adorais ce circuit parce que t'as des raccourcis de malade, tu sautes de partout, c'est trop bien. Je profite de ce moment pour vous rappeler que voilà, XG, on a lancé notre chaîne Twitch depuis quelques mois. Et on aimerait développer ça, on aimerait continuer des lives, on aimerait tout bien faire les choses à fond. Donc, si vous voulez nous soutenir à fond, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous suivre sur XG Official. Et sachez que nous, en plus de Twitch, nous streamons également sur YouTube. Oh dommage. Nous streamons également sur YouTube et sur XG Extreme Gaming. Ah, t'as quand même la médaille d'or, c'est beau. Et puis nous avons besoin d'un maximum de soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ce serait énorme, énorme, et on vous remercie d'avance. Et nous avons tellement de surprises, non seulement au niveau vidéoludique, mais surtout au niveau musical. On a pas mal de surprises et on a hâte de vous montrer tout ça en 2022. Oh, Billy Talent, Red Flag. Petite anecdote, c'est surtout pour Géborg. J'ai regardé un live de ce groupe sur YouTube. Et bon, le titre de la chanson s'appelle Drapeau Rouge. Et qu'est-ce que je vois comme drapeau? Le drapeau albanais. Parce que le drapeau albanais est rouge. Donc je m'y attendais vraiment pas à voir ce drapeau en plein concert de Billy Talent. Et je m'étais dit, c'est trop beau, c'est trop beau. Ouais, parce que quand tu vois un Albanais, tu penses pas tout de suite à la musique rock. Il y a des cultures qui sont plus liées, enfin, tu prédéfinis, tu sais d'avance que la personne va écouter ce genre de musique parce qu'il vient d'une région. Par exemple, les Finlandais, on a une image que les Finlandais écoutent du heavy metal. Parce que la Finlande, déjà, c'est rempli de groupes. De groupes de musiciens en général, et il y a pas mal de groupes de heavy metal, un truc de malade. Alors, il faut que je visite la Finlande un jour, hein. Mais assez parlé, on va laisser Géborg se concentrer. Mais je crois que même malgré la déconcentration, il gère bien. Voilà, il gère bien. Oh, on peut continuer à blablater. Oh. Alors ça, c'était le plus beau. Géborg, incroyable. Il a salué avec la main. Il a fait bye-bye avec la main lors du Takedown Revenge. Donc vous avez vu le Takedown Revenge avec le fond rouge. C'est un Takedown de revanche. Waouh, la traduction de malade. C'est lorsque tu pulvérises l'adversaire qui t'a pulvérisé avant. Great Hair. Great air. Great air. Oh. Oh, j'ai eu peur. J'étais sûr que ça allait pas passer. Bon, à part ça, on a eu ce problème avec le micro. Et puis la qualité du micro a dégradé, enfin il est moins top qu'avant,
Et j'ai dû faire des réglages pour l'améliorer, etc. Je vais voir comment ça, ce que ça va donner à la fin du live, mais j'ai l'impression que vous m'entendez. Bah Emma Deagle, tu m'as répondu, donc ça veut dire que tu m'entends bien. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que Jiborg et moi, on hésite à acheter un nouveau micro. Un micro top. Vu qu'on fait de la musique et du streaming, ben c'est juste bénéfique pour nous. Donc on hésite à acheter un micro top qualité. Et puis même si on n'aura pas le succès escompté sur Twitch tout de suite, ben on peut toujours l'utiliser pour la musique. Donc voilà, mais le micro actuel il fonctionne encore. Parce qu'on entend le bruit de fond. Mais bon, tu fais exprès Jiborg. Tu fais exprès et après tu vas te retrouver deuxième. Moi je te le dis. En fait, tu peux même continuer à jouer, Jiborg, parce que dès que tu auras plus de batterie dans ton corps, je vais continuer le live. Mais ne t'inquiète pas, vu qu'on a promis de jouer ensemble à Burnout Revenge, je changerai de jeu. C'est ok pour toi, c'est top. Bon, je vais faire une pause pipi de mon côté. Il faut savoir que Jiborg est un robot, il n'a pas besoin de pisser. Et moi, je suis un cyborg. Donc, je suis encore à moitié humain et j'ai encore mes besoins, je dois faire pipi. Donc, je reviens tout de suite. Je suis de retour. Non mais j'ai fait qu'une petite pause et je vois que t'es déjà 9 takedowns sur 10. Voilà, déjà la médaille d'or. Incroyable. Incroyable. Non, il est trop fort, Jiborg. Il est trop fort. C'est un robot. C'est de la triche. C'est de la triche. En parlant de robot, ça me rappelle que le mois prochain, il y a un film que j'attends depuis un moment. Enfin, que j'attends pas, moi je pensais que c'était la fin. Mais il y a une suite d'une série de films que j'adore. Matrix. Et voilà, les robots, Matrix, vous voyez le délire. Bref, j'ai hâte d'être en décembre pour le regarder. Ouais, bref, j'avais trop envie de le dire. Donc voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Matrix.
Oh. Oh, takedown signature. Oh, takedown. Oh. Non, pas de takedown. Oh. Encore. Quoi? Ah, il y a deux takedown signature. Il y a deux takedown signature sur ce circuit. Oula. Bon, de toute façon, t'as gagné, J-Borg. Mais vas-y, pète un maximum. Pète un maximum de véhicules. Pas toi. Les autres, les adversaires. Pas toi, J-Borg. Mais bon, c'est bon, t'as gagné. Top. Voilà, congratulations. Donc ça, c'était le takedown signature. Et voilà, il y a J-Borg qui vous salue. Hi J-Borg. Allez, salut J-Borg, il vous salue sur le chat. Ouais, c'est un robot, donc il ne parle que via le chat. J'ai pas encore programmé de voix pour lui. Et puis il est un peu con pour le moment. Il aime bien rester muet. Juste écrire dans le chat et c'est tout. Donc voilà. Bon, moi je te salue pas parce que je t'ai déjà salué 10 000 fois. Je suis juste... t'es avec moi, J-Borg. Donc voilà. Ah, c'est une course. Vous êtes 6, mais j'ai l'impression que vous êtes plus. Hein. Enfin bref. Oula. Ah, mais ce morceau, c'est du groupe Unwritten Law. Fight. Encore un tic d'un signature. Incroyable. Oh là là, on a vu un adversaire se faire écraser. C'était moche, c'était vraiment moche. Ça, il faudra clipper ce moment, hein. Et cet endroit, ça me rappelle un circuit de Burnout 2, le mode crash. Pourquoi tu maintiens pas le boost? Bon, c'était juste une question comme ça, mais bon. Ah, y a qu'un seul tour, c'est vraiment un... c'est vraiment une course à ligne directe. Ah bah voilà, en parlant de ligne directe, finish. Bravo, 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 bravo. Bellissimo.
étaleront Reckless. Bon, bon bah pour le moment c'est un sans faute. Enfin non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je crois que t'as dû recommencer un moment. Enfin je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un 90% minimum. Entre 90 et 100%. Alors, quel est le menu pour la suite? Ne me posez pas la question si c'est l'entrée, le menu principal ou le dessert, je ne sais pas. Et c'est à mon tour, c'est bon. Maintenant, c'est moi, Xeninox, à la manette. Ah, t'as que 20% de batterie, Jiborg. Oh, voilà pourquoi tu m'as passé la manette. Ok. Non mais... Et tu m'as passé au moment où je suis... Le mode où je suis le plus mauvais. Le mode crash. Ouais, bonne chance, messieurs, dames, parce que... Enfin, mesdames et messieurs, pardon. Parce que je suis mauvais au mode crash. Enfin, c'est pas vrai, c'est juste que ça fait un moment. Ok. Ok. Bon, ça va être sympa. Moi, je dis qu'il faut prendre le médium. Oh non 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 non. Jiborg, reprends la main, s'il te plaît. Tu dis les 20% restants. Je te remercie. Ok, je m'y attendais vraiment pas à ça. Enfin, j'aurais pas fait quoi. Oh, mais c'est logique. Ah, tu vas monter. Est-ce que t'as la... Ah, t'as déjà la médaille d'or. Oh non. Oh, oh dommage. Si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Médaille d'or. À la dernière seconde. Bravo, bravo. Perfect. Live Burst. Oh, j'adore ce morceau. Alors, mode Eliminator. Excuse me. Donc c'est ça, le dernier il se fait exploser. Ah, c'est ce bouton là. Ah ouais, d'accord. Ouais, il faut que je récupère les habitudes. Ah voilà. Ouais, ça fait un moment que j'ai plus joué à un Burnout. Ah oui, c'est bon. J'ai récupéré la main. Oh, takedown vertical, c'est magnifique. Oh oui. Oh, ça me manquait les takedowns.
ça me manquait. Oh oui. Oh, le plaisir de retrouver ce jeu. Le plaisir est immense. Et voilà, je suis premier sa mère. Oh putain. Pardon. Ah, j'ai fait un takedown. Ouais, par contre... Ah non, je suis pas dernier. Ouf, j'ai eu peur. Parce que si j'étais dernier, là j'aurais été explosé. Et j'aurais perdu. C'est bon. Oh là, le saut que j'ai fait. Comment ça? Ah, t'as rechargé ta batterie? Ou c'était une erreur de calcul juste avant? Ah! Par contre, moi je dois recharger le boost. Oh! C'était exactement ce que j'avais besoin. Alors, ah, mais c'était le top 3 ici. Ok. Ok. Donc, maintenant, on n'est plus que deux. Oula. Je dois pas me crasher, sinon, ça va être la M, comme on dit. Par contre, j'aurais besoin de boost. C'est bon, j'ai gagné, sa mère. Oh, 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 j'ai gagné. Première victoire depuis des années sur ce jeu. Excusez-moi, c'était un... J'ai retrouvé un plaisir que j'ai plus ressenti depuis un moment. Et celles et ceux qui font des blagues sur ça... Arrêtez tout de suite. Eh non, je vous embête. Faites n'importe quelle blague que vous voulez. Oh, j'ai reçu une récompense pour un takedown vertical. Le premier takedown de la course. Beau. Alright. Oh, le mode course. Le bon vieux mode course. Merci. Wow, celui-là, il a un crash breaker énorme. Et il est... Ah, c'est le meilleur véhicule là. Attends. Bon, après, prendre des véhicules... ultra léger, ça peut être aussi négatif, mais on s'en fiche. Ok, comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Ok, merci J. Non mais incroyable. J'ai même pas commencé la course et on me tape déjà. Oh, ils sont plus coriaces ces véhicules, étonnamment. Je suis premier, donc tant mieux. Oh, aïe aïe aïe, mal commencé. Mais très mal commencé, très très mal commencé.
Bon, on va accélérer les choses. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est... Oui, on est d'accord, je suis un poil moins bon que J-Borg. Juste un poil, juste un poil. Non, non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 mais... Aïe, 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 j'arrête pas de me cracher. Non, je suis... C'est vraiment ma pire course. Depuis un moment. Non. Ok. Oh, ça va, ils sont... en très moyen. Voilà. Voilà. Course catastrophique, mais t'arrives quand même premier. C'est magnifique. Attends, 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 attends. Mais ça, c'est pas le maximum, 4 étoiles. En fait, t'es censé avoir... Ah, tu peux... Il y a des courses à 4 étoiles. Ah, c'est 5 maximum. C'est juste que j'ai tellement mal joué que j'ai pas eu 5 étoiles. Donc, il faut que... Ouais, il faut que je reprends la course. C'est bon, J-Borg, t'as rechargé la batterie. C'est beau, t'es à 100% de nouveau, c'est top. Beau, beau, beau. Eh, sympa. R175ST, limité. Beau. Oh, un nouveau monde. Enfin... Un nouveau monde, on est sur la planète Terre. Quel bobet je suis. Je vois que je suis habitué à des jeux qui se déroulent sur plusieurs planètes. Oh oui. Écaille. Donc c'est J-Borg qui a repris la manette sur ce coup. Vas-y J-Borg, go. Tu vas aller te piéter. Alors, Emma Deagle, merci encore d'être passé. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, J-Borg, il y a Emma Deagle qui va partir. Il te souhaite une bonne nuit. Je te souhaite également une bonne soirée, une bonne nuit. Merci. Et sache qu'il y a un ectoplasma très adorable qui te remercie également. J'aime trop les ectoplasmas. Et voilà. Tu sais de quoi on parle. TMTC. Ah, c'est ce soir le changement d'heure. Tu le savais, J-Borg, c'était ce soir le changement d'heure. Donc on dort un jour de plus. Ah, une heure de plus ou une heure de moins? On dort un jour de plus. Tout va bien. Moi, je vous dis, tout va bien. Je crois qu'on... Attends. Et une heure de moins? Oh, merde. Ouais, c'est ça, une heure de moins. Et puis... Je ne sais plus, je ne sais plus. Bref. Mais merci pour le rappel, Emma. Bonne nuit.
On reprend. Bonne nuit. Merci encore. Pendant ce temps, nous, on va casser du cul de véhicule. Cul de véhicule. Bref. Ah, c'est le mode Eliminator. T'as pas intérêt à être dernier. Bâtard. Quoi? C'est pas... Ah. Tu peux pas t'exploser? Non. Oh, dommage. Incroyable. Incroyable. Revanche. Revanche. Maintenant, c'est face à face. Alors que c'est une course, Gyborg l'attendait pour casser son véhicule. C'est tout bon. Donc maintenant, il a un avantage de ouf Godin. Un avantage de ouf Godin. Pas si ouf Godin que ça, on le voit quand même derrière. Ouais, c'est bon, c'est bon. Incroyable. Incroyable. Trafic check comme la toute première fois au début de ce jeu. Go! Alors, pour le moment, Gyborg a... Alors, il a la médaille de bronze. Est-ce qu'il aura la médaille d'argent? On sent qu'il aura bientôt la médaille d'argent. Ah bah c'est bon. 160 000. 400 000 pour la médaille d'or. Ça monte d'un énorme cran.
gros double cash. Là ça commence à devenir dur hein. Ah c'est le multiplicateur x2, c'est parce que t'as fait un tour complet, c'est ça. Donc là ça va monter plus vite que d'habitude. Oui, beau, beau, beau. Oui, on est presque, on est presque. Oh, sa mère, médaille d'or. C'est beau, bravo, Jiborg. Oh, c'était un camion. Allez, un véhicule. Oh. Ça manque de véhicules ici. Ah, c'est bon. Oh, triple cash. Incroyable. Non, bon, je dis non, mais Jiborg a assuré un max. T'as fait le million. Ah oui, pour celles et ceux qui a tenté de cliquer sur notre site internet, faut savoir que notre site internet est en maintenance. Voilà, donc pour le moment il est pas disponible, mais on va régler ça le plus rapidement possible. Et merci Loupox16 pour le follow, merci, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Installe-toi, t'es le bienvenu. Oh yay yay, et pendant ce temps J-Box s'est fait écraser par un bus. C'est magnifique. Salut Loupox16. Oh mais on te comprend tellement, nous aussi on est des amoureux de Burnout, c'est sûr.
D'ailleurs, j'avais posé une question à tout le monde avant, mais je repose la question. C'est quoi ton burnout préféré? Parce que J-Borg et moi, on n'est pas d'accord sur le notre préféré. Oula, ça c'est chaud. Alors pour toi, Burnout 3, yes, on est d'accord, Burnout 3, le 2, ah oui, bah, on a pas mal joué au 2, J-Borg. On a beaucoup aimé le 2, après, au niveau du gameplay, le 3, il allait très très loin, et Revenge, pareil. Alors c'est vraiment pas ta partie, J-Borg. Et puis un peu Revenge, ouais. Pour moi, Revenge, en fait, l'écart entre le 3 et Revenge, il est pas énorme, mais après, il y a beaucoup de verticalité, c'est ça qui est top. Tu recommences, t'as fait n'importe quoi, c'est ça? Pas de soucis. Première fois dans ce live que J-Borg recommence une partie. T'as fini tous les burnout à 100% sur toutes les plateformes, incroyable. Bravo, bravo. Alors, nous aussi on a fait tous les burnout, à part le premier. Je crois qu'on l'a jamais fait le premier. On a fait le 2, le 3, le 4, et puis Paradise. D'ailleurs, Lupoc. En parlant de Paradise, tu le trouves comment? T'aimes bien le concept? Oui, j'ai aussi un avis personnel sur Paradise, mais qu'en penses-tu? Ah, ça monte la difficulté. Hein. Tu l'adores? Moi aussi, je l'adore. J'aime beaucoup Paradise, surtout que c'est un monde ouvert et tout ça. Après, ce qui me manque le plus dans Paradise, c'est le mode crash. Mais ce que j'aime beaucoup, la diversité, etc. Après, c'est très risqué comme burnout. Enfin, je sais que à la fois j'ai trop aimé le jeu et à la fois, je vais pas dire que je l'ai détesté, mais j'étais déçu sur des trucs que j'adorais dans Revenge. Et puis voilà. T'as fini Burnout Revenge à 100% en 27 heures. Ouais, je crois que ce jeu prend ouais une vingtaine d'heures pour le terminer à 100%. C'est bon, t'as un aftertouch, J-Borg. Ouais, c'est J-Borg qui joue et moi je suis en train de commenter. J'ai fait deux parties avant. Le mode crash, c'était une catastrophe pour moi. Et le mode élimination, c'était top. 27 heures. GG, j'ai envie de dire. Hein. Alors. Ouais, alors, J-Borg. Notre site, il est actuellement en maintenance. Donc, ça. Vous pouvez garder le lien, mais sachez que notre site internet est actuellement en maintenance. On est en train de faire quelques modifications, donc voilà, navré. On vous dira dès que le site est de nouveau disponible. Oh, mais ils sont vraiment violents, hein, tes adversaires. Hein. C'est bon. Ah, mais t'as la médaille d'or, donc ça va, c'est bon, tranquille. Wow. Critical damage. Oh, dommage.
C'est bon. T'as la jante en or. T'as la jante d'or. Top, top, top. Oh, nouveau véhicule. C'est beau. Laisse-moi lire, Gyborg. Ah, c'est une invitation, d'accord. Ah, tu m'as pas laissé lire avant. Ah, mais il a plus de batterie. Décidément, les robots et les machines ce soir, ça manque de batterie. Gyborg, c'est pour voir le live Twitch. Parce que moi, j'ai également mon smartphone, si besoin. Après, c'est pas le même confort, mais c'est mieux ça que rien du tout. Contre la montre, tout à fait. Avec... Wow, ce véhicule de malade. Et en plus, il est ultra rapide, donc c'est... Bonne chance pour pas avoir de crash, Gyborg. Oh là là, mais il est ultra léger, ce véhicule. Ouais, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Et puis sinon, Loupoc, à part les Burnout, qu'est-ce que tu aimes comme jeu, hein? Un petit sondage. Wow! Wow, joli chrono. J'ai juste contrôlé quelque chose. Ah, mais c'est bon. On a le chargeur ici. C'est beau. Aïe, on a entendu mon smartphone. Voyons voir, les jeux mêlant voiture et destruction. Il y en a plein comme ça. Les Mario Kart. Non, c'est pas la même catégorie, mais il y a aussi de la destruction avec la carapace bleue. Il y a quoi dans le même genre? Les flat out. Ouais, il y a des véhicules qui destructibles. Destruction Derby, un vieux jeu sur PS1. Split Second, merci. J'avais oublié. Sinon, on a... Ouais. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de jeux avec des véhicules destructibles. Et puis... Dans une moindre mesure, Need for Speed qui a essayé de se rapprocher de Burnout. En même temps, c'est Criterion Games qui a repris les Need for Speed après les Burnout. Enfin bref, j'ai pas trop suivi ça, mais voilà. De toute façon, Need for Speed, c'est plus ce que c'était. Ok, ben dans le genre, c'est top. Bon ben... Je dois noter que je dois faire un live de Burnout 3 après Revenge. Mais pas tout de suite, mais... Alors... Ah oui, merci pour la précision, Gyborg. Donc effectivement, on est en train de... Vu que Loupoc a parlé de toutes les plateformes, bah on est en train de jouer à la version PS2, mais en HD. On l'a amélioré grâce aux performances des PC en 2021. C'est juste trop beau. Alors, pour moi, Burnout Dominator est
pire, plus pire que la version DS de Burnout Legends, sauf pour la musique. Alors, non, mais ça va, Burnout. Alors, je suis d'accord avec toi. Burnout Dominator, c'est loin d'être le meilleur Burnout. Après, ou. Il est acceptable. Moi, je l'avais joué sur PSP. Franchement, la version PSP, il était sympa de Burnout Dominator. Mais je suis d'accord avec toi. Je préfère. Je dis pour les PSP. Je préfère mille fois Burnout Legends que Dominator. D'ailleurs, Burnout Legends, je l'ai beaucoup aimé. Parce que ben, c'est un best-of des Burnout 1, 2 et 3. Allô. Ah mais c'est bon, t'as la médaille d'or, c'est magnifique Jiborg. C'est vrai que ce genre de jeu, ça m'a beaucoup manqué. Moi qui... Voilà, j'ai toujours un lien avec les jeux de voiture, mais... Principalement pour Rocket League. C'est pas... Oui, c'est un jeu de voiture, mais... Où tu joues au football avec. Oh, la signature. C'est beau. Et sinon, bah, à part les jeux... De karting, genre Crash Team Racing, Mario Kart, bah. Ouais. Voilà. Alors. Tu dis le rang pourquoi Rocket League ou tu dis la note de Burnout? Bon, ça, je vois que c'est en train de charger cette. Un Burnout, c'est quel rang? On est à quel rang actuellement? Bon. Non, mais c'est un nom, c'est pas avec des numéros. Taking out the trash. Ah, c'est une signature dans les poubelles. Bah on est au rang offensive. Voilà, 4. Donc on est vraiment au début. Bon, au début, mais on a déjà pas mal avancé. D'ailleurs, il faut que je te pose une question, Jiborg. C'est. Est-ce que tu as envie de faire le let's play complet? Ou est-ce que tu veux juste faire ce live et après on passe à un autre jeu? Enfin, je sais pas comment tu veux faire. Hein. Mais on en discutera prochainement. Connaissant Jiborg, je pense que. Il va vouloir continuer la suite du jeu hein. Pour les prochaines semaines. Surtout que c'est un jeu qui nous a pire manqué donc. All mode crash. Fast start. Ah ouais d'accord, tout simple. Ah ouais. Attention, ça va exploser. Oh, le mode crash. Par contre, concernant le mode crash, le Revenge, c'est mon préféré. Bon, après, il y a les pièces, les bonus dans le 3, dans le takedown. Ah, je sais pas, j'aime les deux. T'as eu la médaille d'argent ou de... Ah ouais. Ah dommage. Bon bah, on reprend. On cherche la médaille d'or. C'est la médaille d'or ou rien. Incroyable, t'arrives à faire deux choses en même temps. Et t'as un train de détruire. Incroyable. C'est dommage, j'ai pas... beaucoup joué à Split Second dans ma vie. Il faut que je le fasse un jour. Il faut que je joue à ce jeu à fond.
Lors d'un live, pourquoi pas? Franchement? Ouais. Ah là, je crois que c'est la médaille d'or. Oh oui, le bouchon. Ça, c'est les bouchons quand tu rentres du boulot. À 17h, 18h, 19h. Où t'en as marre parce que t'as passé une journée intense. Et qu'en plus de ça, tu peux pas rentrer tout de suite à la maison. Et t'as juste envie d'exploser. Non. J'étais sûr que t'allais avoir la médaille d'or. Je sais plus parler, tout va bien. Tu as pris ce véhicule avant, hein? Non, bah ouais, parce que celui-là, il a une explosion de niveau 6. On voit qu'il est niveau 6, le Crash Breaker, parce qu'il s'explose direct. Fast start. Oh oui. Oh oui, après tu exploses ici. Ça c'est une bonne idée. Par contre, est-ce que les... Attends, j'ai l'impression que c'est lent. Ouais, c'est bon. Oh, c'est lent, ça veut dire qu'il y a des véhicules qui ont pu passer. Ah non. Oh oui. Oh, il y a les bus. Ouais. Allez. Ah, il y a une cible. Oh oui. Allez. Médaille d'or. Non. Il y a un avion qui a foncé sur 5 véhicules, mais c'est magnifique, des avions qui foncent sur les véhicules. Franchement, on est jamais assez fou dans la vie. Virtuelle, heureusement. Après, il y a des trucs qui se font dans la vie réelle, malheureusement. Oh. Est-ce que ça va être bon? Oh, je suis navré. Oh non, t'as même pas touché la cible. Et on recommence. Médaille d'or ou rien? Rien. Donc là, tu as changé de stratégie. Est-ce que ça va fonctionner? Oui! Oh, le camion qui bloque le passage avec la remorque, c'est incroyable. Oui. Oh, est-ce que c'est la solution de malade? Non? Si, explose. Oui. Oui. Allez, médaille d'or. Allez. Il fallait combien pour la médaille d'or? 3 millions, c'est une blague. 3 millions pour la médaille d'or. Donc ça veut dire qu'on est vraiment loin. T'as créé un mode crash dans Burnout Paradise? Sans aller dans le mode Showtime?
T'as fait comment ça hein? Enfin... Ce qui... Attends, est-ce qu'on peut créer un mode crash? Enfin, je me rappelle plus. Unlucky. En même temps, ça fait des années que j'ai plus joué à Burnout Paradise. Ça me manque d'ailleurs. SNA. SNA, c'est... SNA, SNA. Ah, pour moi, tu vois mon imagination. Ah ouais, t'as créé... Ok. Oui, je vois. Oh, t'as fait 2 millions. Mais ça suffit pas. En fait, il faut que t'exploses. Ouais. Ok, ultime tentative pour J-Borg. Je crois pas que ça a marché. Non. Un gros véhicule peut-être. Ouais. Alors, mais je crois qu'on n'a pas encore débloqué de gros véhicules. Time up. Ouais. Dommage. Peut-être qu'il faudra avancer dans les modes et après dès qu'on aura déverrouillé un véhicule plus lourd, revenir ici. Ça monte la difficulté. Les trois premiers rangs donnent des véhicules crash. Tu penses, ok. Merci pour l'info. Hein. Ah, oui, touché. Coulé. Rein, encore. Oh. Oui. Oh oui. Tout le monde s'est cassé la gueule. Incroyable. Oula, attention. Burnout takedown vertical. Non. Oh, attention. C'est bon. Ce takedown qui veut rien dire, mais c'est juste magnifique. Oh, je crois qu'il y a personne qui va passer. Mais bon, t'es premier. En fait, t'as pris un raccourci. Oh, attention, ça pète la gueule. Tu sautes. Oh.
J'ai juste envie d'insulter, mais on est en live, on va pas sortir les gros mots. Ah mais c'est bon, fais la course. T'en fous de lui. Bon bah ok. Boost. Je rappelle que c'est une course. Mamma mia. Wow. Bientôt la ligne d'arrivée. Wow. T'aurais pu te casser la figure. Hein. Par ça, tu peux faire les crash breakers quand tu as un crash. Non, toujours pas. T'es après. Hein. Quoi? C'est du n'importe quoi. T'as failli faire la verticale. En parlant de verticale. Ouais, merde. Pardon. Mais je devais le dire. Non. C'est rare les take out verticales. D'habitude, c'est nous qui faisons les takedowns verticales. Verticaux au pluriel. Non mais Xeninox ne sait plus parler français. T'as vu? En fait, t'es un avion pendant quelques secondes. Ah, dommage qu'il n'y ait pas le crash breaker, ça aurait été utile sur ce coup. Touch et tu voles. Sauf qu'on voit rien. Oh my god!
Jibor, qu'est-ce que t'as fait pour avoir ce takedown? Ah, je sais plus parler. Bah rien. Ou très peu. Ah, de l'électro. Non, cette fois, ça a pas passé. On aurait dit une poule qui a essayé de voler. Sauf que c'est... La poule est un oiseau. Certes. Mais elle ne vole pas. Tristesse. D'ailleurs, en parlant des oiseaux. Les oiseaux sont les seuls dinosaures qui ont survécu. Ils ne déconnent pas. Jibork, il est en train de faire une tête de Xenidox. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Deuxième! Non, je rigole. Première place. Yes! 10 points. Oh my god! 69? Tu as mis comme pseudo 69. Soit. Aïe 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 aïe. Ce qui paraît, on a un problème d'internet. Alors, ah non, c'est bon, Jibork, c'est tout bon. Mais c'est très bizarre, hein. Je vais contrôler. Mais c'est bon, on voit le live, c'est tout bon. Allez, allez. Loto. On n'a pas gagné à Robin Lyon, c'est dommage. Oh, ah, t'as fait un takedown aftertouch. Bravo. On voit la haine de Jibork envers ces véhicules rouges. Oula. En fait, en y repensant, ce jeu est tellement exigé. Parce qu'au niveau de la bande son, on a du rock, on a de l'électro, on a du hip-hop. Jibork, c'est trop bien. C'est un des jeux les plus exigé qu'on ait joué, avec Jet Set Radio, Future et celui-là. C'est beau.
Il vient de faire un défi. Oui, le challenge. J'ai un truc en lien avec challenge. Je crois qu'on a reçu ton message avec un peu de retard, Loupoc. Ouais, c'est un peu bizarre ce qui se passe avec le chat, mais c'est pas grave. Finished! Six points, c'est beau. 12 points. 69 à 12 points. 69. Mon cerveau, il fonctionne très mal à cause du 69. Ah, Detect and Revenge à Lone Peak. Ah, c'était ça le défi. Ok. Ah ouais, alors ah ouais. Donc il a gagné quelque chose, J-Borg, j'imagine. Non, mais c'est pas vrai. Attends, le pire c'est que tu l'as poussé. Ça aurait dû être takedown pour toi, mais bon. C'est pas grave, tu vas faire un takedown revenge. Ça va passer. Attention, touche pas. Voilà. Oh bah, trop beau. J-Borg qui joue au curling avec des véhicules. C'est un sport tellement suisse, le curling. Oh, de... Ouf. Crash escape. Donc c'est un trophée de Lone Peak et il en faut 8 pour la Euro Racer. Ah oui, je me rappelle la Euro Racer. Ah oui, ce véhicule. On parle bien du véhicule Euro Racer. Ah oui. Ah, la hot rod, ah oui, la fameuse, avec les grosses roues devant, les petites roues, enfin, les petites roues devant, les grosses roues derrière. Toujours premier. Oula, ça pousse derrière. Premier mais accompagné. Accompagné. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Pas vrai, J-Borg? Quoi? Tu dis que c'est trop facile cette course? Tu rigoles, j'espère. Wow. En fait, c'est trop bien de faire un live de Burnout Revenge. C'est trop bien. Tu vois des trucs.
ou des trucs WTF. C'est trop bien. Attention, c'est bientôt la fin. Bon, de toute façon, t'as fait un très bon score, donc même si t'es deuxième ou troisième, ça passe. Et c'est la fin. J'espère que c'est la dernière course de ce tournoi. Mais normalement oui. 3 of 3 races completed. Trop facile effectivement. Top top top. Est-ce que... Oh, le Critérium M-Type ST. Oh, ça. Number Party. Donc j'ai pas vu ce que tu... qu'est-ce que tu as pris comme comme mode. Enfin, on va le voir de toute façon. Ah, mode crash. Mode crash, tout à fait. Magnifique. Ok, en plus en slow start. Ah, c'est pour ça que je suis allé très lentement la première fois. Et bon bah ça peut marcher aussi. Tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as vu, il y a un tremplin après. Ah, et t'as vu, il y a une route en dessous. En fait, on est sur un pont. En fait, ça va, la qualité de ma voix, elle est pas du tout dégueu. C'est juste que, voilà, tout derrière, on entend un petit peu les claviers. Ah, mais c'est J-Borg avec le... avec sa touche pour avoir le ciel. Fast start. What? What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Aïe aïe aïe. J-Borg ne sait plus utiliser un véhicule. Enfin, ne sait plus démarrer avec un véhicule. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Perfect start. Oui. Oh oui. Oui. Allez, est-ce que ça va suffire? Oh oui, t'es de l'autre côté de la route. Dommage, mais est-ce que ça va suffire? Oh. C'est bon. Oui. Il y a la cible là-bas. Ah bon. Ah mais il est...
Oh, challenge achevé. Est-ce que ouais, t'as la médaille d'or. Non? C'est une blague. Il manque très peu. Non, ne me dis pas que t'as pas la médaille d'or. Non! Non! C'était tellement bien parti! Ok, allez go. Donc ton véhicule est quelque part. Encore. Oh. T'arrêtes pas d'exploser, c'est incroyable. Oh, t'as juste pas touché le véhicule. Ouais, le véhicule cible. Oh, mais je crois que c'est toujours argent. Il faut combien pour l'or? Attends, juste. N'appuie pas tout de suite. Enfin. Laisse afficher les scores qu'il faut pour la médaille d'or. Ah, ça s'affiche pas. Aïe aïe aïe. Miséricorde. Ah, quoique, si tu touches le véhicule cible. T'as encore le. Je ne comprends rien à ma vie, mais. Je ne comprends rien à ma vie, à ce qui se passe, mais voilà. Attends, une explosion. Allez, encore une explosion peut-être. Ah ouais, t'as complètement démoli le véhicule cible. C'est incroyable ce qui se passe, Jiborg, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est... Enfin, je sais pas comment il l'a fait, mais c'est magnifique. Wouah. Donc si jamais il allait reprendre des piles. Ouais, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc, nouveau rang Fearless. Et il a touché 25 véhicules, c'est beau.
Meilleur score, beau ça. Hey, hey. Bon, pendant ce temps, je vais en faire un. Oh, je vais faire la course. Jaune, ça va très bien. Ça va très bien, jaune. Donc, c'est moi la manette cette fois. Oh oui. J'ai fait deux takedowns pendant ce temps. Ah non, qu'un seul. Bon bah tant pis. J'ai complètement oublié qu'il n'y a pas le crash breaker. Enfin, pas encore pour le moment. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'arrête pas de me cracher. C'est pas possible, c'est pas possible! Ouais, j'y porte, tu me... Ouais, attends, je termine la course. Ça va le faire. Yes! C'est beau. Yes! Ça, c'est beau. Ça, c'est moins beau, par contre. Oui. Voilà. J'allais le shooter alors que c'était un gros camion. Oula. C'est bon, je suis premier. J'ai fait... Je savais pas que... Oh là! Ah, j'ai fait un aftertoast. Non, pas le bus! Ah là là, c'est pas vrai. Évidemment, je suis pas seul.
Mais non, mais c'est pas possible. Non. C'est bon, je suis premier. Oui. Xeninox arrive à être premier sur ce jeu. C'est bon. C'est beau ça. Ah. Ah. Attends, Gibor, je crois qu'il y a une erreur avec ton système de communication. Ah ah, je vois. Pourquoi t'as été déconnecté ? C'est bon, Giborg, t'arrives enfin à parler. On t'a compris. Ouais, c'est toi qui joues maintenant. C'est beau. Et le véhicule de Gibor qui va nulle part. De toute façon, oh. Quoi ? T'as que la médaille d'argent ? Ah 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 ah. Dommage. Allez, allez, une explosion. Oui. Oui. Incroyable, médaille d'or. Bon voyage, Iborg. C'est un plaisir. Pour info, pour un robot, il a rigolé. Ceux qui disent que les robots ne peuvent pas rigoler, n'est pas vrai. En tout cas, pas pour Gibor. Après, si vous demandez à un robot comme un micro-ondes de rigoler, allez voir un psy, s'il vous plaît. Oh, juste... Oh, voilà. Là où on n'avait pas réussi avant, il faut prendre ce véhicule. Le SUV C150 HVY. HVY. Ouais, HVY. C'est bien, on a... C'est assez animé ce soir, c'est cool ça, c'est très joli comme comeback. 3 millions pour la jante en or.
Oh. D'engin de guerre qui saute. Attention, une tortue est en train de sauter. Burst into flames, skid. L'avant de ton véhicule faisait peur. On aurait dit une zombie. Joyeux Halloween. Véhicule plus léger. Medium. Ouais, pourquoi? C'est vrai que c'est assez espacé. Perfect start. Maman, j'ai entendu quelque chose. Mais y a rien, mon chéri. C'est juste pour vous dire que c'était tellement discret. En fait, même si t'étais un passant, t'aurais pas entendu que... T'aurais entendu un truc, mais t'aurais pas vu le véhicule se crasher. Oh, c'est bon, je suis trop méchant avec J-Borg. Dans le bus! J-Borg, pour monter dans un bus, faut monter toi-même, pas avec un véhicule dedans. Préparation au futur crash explosion de Ouvgota. Putain, 3%. Il faut 3000. Oh, 3 millions pour la médaille d'or. Il faut une explosion. Il faut une explosion. Il faut une explosion. Non. Tristesse. J-Borg dit que c'est faisable. Mais oui, c'est entièrement faisable. On compte sur toi. C'est des choses qui arrivent. Donc il y a plusieurs voies, il faut essayer de bloquer toutes les voies. Il faut qu'on invoque le démon à 9 queues de Naruto. Et on le pose sur la route et c'est bon. On bloque tout le passage. Elles sont derrière. Oh, oui. Oui. Un véhicule qui se déplace. Tout va bien. Je ne suis pas fou. Oui, oui. On a les 3 millions. On a la médaille d'or. Oui, il tombe sur la cible. Oh, dommage. Oui, oui. Ah, mais c'était inutile. C'était inutile. On le saura pour la prochaine. Offsang. Bon, à part ça, J-Borg, le micro, il fonctionne très bien. Et en plus, ça me permet d'être plus loin. Franchement, on pourrait même continuer les streams avec ce micro.
Donc c'est pas une urgence absolue d'acheter un nouveau bico. Ça c'est mon mode préféré, Eliminator. Facile, facile. Oh, le saut. Ça, c'était magnifique. C'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que t'as des séquences qui sont juste magnifiques à voir. T'as l'impression d'être dans un film d'action où tu vois, t'as une scène avec plein de véhicules qui flottent dans les airs. Fais gaffe, Gyborg, parce que si t'es dernier, t'es éliminé, hein. Bravo. Magnifique, en fait j'ai même pas besoin de parler tout près du micro, même depuis là. Parce que je vous avoue que jusqu'à maintenant, je me niquais le dos à force d'être tout près du micro, mais là, on m'entend très bien, donc c'est tout bon. Ah, comme ça, je peux mieux parler, enfin, je serai plus à l'aise. C'est vrai qu'à force d'être près du micro, je me nique le dos. Et oui, je dis ça parce que on n'a pas de bras de micro, donc voilà. Mais avec ce micro, vu que ce micro est devenu beaucoup plus sensible qu'avant, j'ai même pas besoin de bras de micro. Waouh! Bon voyage! Incroyable.
Ok. En train d'écouter la diffusion live. Ah c'est bon, c'est bon. Non, le son, J-Borg, le son est vraiment top. C'est vraiment top. Tu verras la rediff, c'est juste top. Oh attention, tu voles. Est-ce que tu as... Non, t'as pas fait d'aftertouch, c'est dommage. Oui, oui, oh oui. Oula. Tranquille. Est-ce qu'on m'entend comme ça? Oui. Je fais des tests, je profite en même temps pour faire des tests de son. Wow, je suis impressionné. Enfin, je suis impressionné par la qualité du son, malgré les emmerdes qu'on a eues. Maintenant, on n'est pas... Disons que le micro est devenu tout sauf dynamique. Il faut pas parler tout près du micro. Quand tu as le micro loin de toi, bah, certes, tu entends tout l'environnement, mais le son est top. Je suis content, j'ai même plus besoin de... Voilà, je suis loin et on m'entend. Par contre, vous allez entendre les claviers. Je pense que lorsqu'on va jouer à un FPS, ça va être très 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 chiant. Et encore pire, quand je vais jouer au jeu de baston, hein, versus fighting, on entend que ma manette. Ça va être horrible. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est un joli véhicule. Ah, c'est la coupe contre la montre. Plus important dans ce mode contre la montre, j'allais le dire, c'est de ne pas cracher. Pour 30 dixièmes de seconde. 3 dixièmes de seconde. Pour 3 dixièmes de seconde. Ok.
Tu vas refaire la course? Non. J-Borg m'annonce encore deux courses et après il arrête. Après, à voir si je continue le live seul avec... Bon, seul, J-Borg il sera en mode veille. Donc il est toujours là, en modérateur. Ah, tu disais course, mais également mode crash, etc. En fait, deux parties. Mais moi, je pourrais rester pour faire un autre jeu. Je veux dire, voilà, je profite. Costa. Où t'as eu de la peine. Ok. T'as touché un bus. C'est bien. La cible est partie. Oh, une explosion. Explosion. 103, 2, 1. Explosion. 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 J'ai cru. Allez, j'y crois. Oui. C'est bon, tu vas exploser, J-Borg. Tu vas exploser. Attention. Oui. Quoi? Allez, on... Attends, il fallait 5 millions. Ça va? Bruh. Ah, tu tentes pas la médaille d'or. Ok, tu fais autre chose. Ok, alors, J-Borg va pas tenter la médaille d'or. Il va plutôt faire une dernière course, mode crash ou je ne sais quoi. Il me semble qu'il voulait une course. Il y a de la nouveauté. Ça c'est... Ouais. Ah, course contre la montre. Ok. Go quoi. C'est une jolie chute.
C'est quoi ça? Je ne comprends rien. Il n'y avait rien. On continue. Ah, c'est 2 minutes la course. Oh my god. Non! Dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y croit. Carte mémoire de Cyborg commence à se chauffer. Ça va les Cyborg. Cyborg au pire, termine la course même si c'est argent. Et puis la prochaine fois tu refais la course. Et ok. Tu me dis que c'est la dernière tentative. Ok. Alors, fais ce que tu veux. Thank you.
my god. Oh là là là. On ne comprend rien. Oh, tant pis pour l'or. Ce sera l'argent pour ce soir. Et la prochaine fois, ce sera l'or. Bon, c'était la... Bon, c'était la dernière partie de J-Borg. Ce qu'on va faire, c'est que... On va passer à la pause. Donc J-Borg va arrêter de jouer pour ce soir. Il va rester en tant que modérateur. Et puis on va, après la pause, je vais continuer moi seul avec J-Borg comme modérateur pour un autre jeu. Donc je vous dis à toutes après la pause.
Et nous sommes de retour. Bon, je vous préviens tout de suite, je vais faire qu'une partie ou deux parce que comme J-Borg, c'était, je suis un peu fatigué, mais j'adore commenter, c'est juste trop bien. Par contre, j'ai constaté qu'on a un problème d'affichage avec le timer. En fait, le timer, il est nickel quand il s'affiche, mais lorsqu'on met le mot XG Activated, bah c'est trop gros. Donc, il faudra régler ça. Bon, je vais jouer en occasionnel parce que ça fait un moment que j'ai plus joué à Rocket League. Oh, il y a le Gotham City Rumble. Bon, on va faire ça. Ah, j'ai oublié de mettre la manette pour Rocket League. Il faut que j'y pense. J'ai oublié de mettre les logiciels annexes pour Rocket League. Mais bon, tant pis. Pas besoin pour ce soir. On va voir si je me rappelle encore si j'ai encore les réflexes. Ah, mais attendez. Ah mais moi, ça va être dégueulasse chez vous. Ouais, quand je stream, je dois pas mettre le jeu en plus de 60 FPS. Je dois mettre en 60 FPS. Oh là là. Oh, j'ai mis 30 images par seconde. C'est quoi, c'est quoi? C'est encore pire, en fait. Bon, on veut du bon 60 images par seconde. Voilà. Puis on peut même monter le son du jeu parce que c'est pas assez fort. C'est ça qui est... Voilà, avec chaque jeu c'est différent, il faut régler le volume. Je crois qu'on peut même monter en plus. On va voir. Je monterai quand j'aurai l'occasion. Ok. On va pas oublier, c'est un Rumble. Rumble Gotham City. Oh bah voilà. Alors, je vais juste... Ouais, je profite pour monter très rapidement. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ma manette. Ok, ma manette ne fonctionnait plus pendant un instant. Merci pour l'aide. Dommage. Oh, Batman. Oh, ça c'est trop beau. Les chauves-souris. Stylé. Ça fait un moment que j'ai plus joué à Rocket League. C'est quoi ce truc? Ah, mais c'est...
Ok, c'est Mr. Freeze. Méchant... méchant congelé. Merde. Oh merde. Pardon. Dommage, dommage. Oh. Force. Oh non! Il a foutu quoi? Ah d'accord, c'est pas mon coéquipier. J'ai cru que c'était un auto-goal, mais non, c'est pas le cas. Oh merde. J'ai perdu l'habitude. Ouais, je dois tout récupérer. Oh là là. Tout. Ils ont pas suivi, dommage. Dommage, dommage. Du grand n'importe quoi. Oh, on voit que je suis crevé, que j'ai plus rejoué à Rocket League depuis un moment. Alors. Thank you.
Bon, c'est sympa comme mode, mais... Mais... En plus. Je vais faire un petit 3v3 et puis... Je sais pas si ce sera l'avant-dernier match ou le dernier. Ça va dépendre. C'était un joli live de Burnout Revenge. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait plaisir. Org, assure. Par cœur. Tout comme notre nouveau follower. Merci Carlender33 pour le follow, merci beaucoup. Et tu es le 10e follower de la chaîne. Donc c'est un honneur, merci beaucoup. C'est magnifique, 2 followers en une soirée. Ça reprend gentiment après des problèmes qui nous ont obligés d'arrêter de streamer pendant 2-3 semaines. C'est juste magnifique. Bon, 2, vous allez me dire, ouais, c'est rien, mais voilà. Salut Carlender33, comment vas-tu? Il est trop bien le son de ton casque. Je te remercie. Mais c'est pas un casque, c'est vraiment mon micro. Et puis... Ça fait plaisir de lire ton message parce que déjà bienvenue et puis par rapport au son parce que on a arrêté les lives pendant 2-3 semaines à cause du son justement. Maintenant je suis trop content, là c'était censé être le live test et puis finalement c'est devenu un vrai live. Puis ouais le son est trop bien, je suis trop content, merci. Donc bilan très positif, on reprend les lives comme il faut. Oh oui, c'est bon, The Ninox est de retour. Le gros défaut de mon micro, c'est que on entend le bruit de fond. Et si on fait pas de bruit derrière, c'est bon. Ouais. Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver, dont Carlender, bah, là je suis à on est à la fin du live, J-Borg il a arrêté, enfin on était tous les deux en live ensemble et puis on était en train de jouer à Burnout Revenge et là on termine avec un peu de Rocket League, donc je reprends Rocket League depuis un moment, ça m'avait manqué. D'ailleurs, ça se voit que j'ai plus joué depuis un moment. Non, c'est pas top. C'est pas top. C'est carrément tout. Mais t'inquiète, c'est normal quand on débute, quand on a des problèmes, il faut tout régler. Et c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que je voulais... Parce que tu as commencé le stream. Enfin, je peux te donner des coups de pouce si besoin. Enfin, ou te des conseils plutôt. Mais voilà. Mais c'est normal, ça commence petit à petit. Pareil, mes premiers lives, c'était pas oufissime. 78 followers en un mois, mais t'as fait comment? Enfin, tu joues à quel jeu déjà? Je pense que tu joues à un jeu ultra populaire ou... Oh merde, mince! Je suis trop jaloux, Carlender. 78 follow en un mois, je sais pas comment t'as fait. Après, peut-être que tu streams plus souvent que moi. Moi, je stream qu'une fois par semaine. Je vais bientôt passer à 2, si je peux. Mais ne me gêne pas. Non, mais... Les 3... Non, mais... Ouais. Dommage.
Ça m'énerve. Ouais, Carlender, tu joues quoi à quoi comme jeu pour avoir cette petite... Minecraft et Roblox, c'est énervant tout le temps, les mêmes jeux. Ah oui, c'est sûr. Si tu joues au même jeu, bah c'est que t'es vraiment fan. Oh oui, oh oui. Non. Non, il a pas enchaîné. C'est dommage. Vas-y. Ça pas suffi. Je sais plus faire les aériens. Je ne sais plus faire des aériens. Allez Marc. Oh, il s'est fait démolir. Oh. Je dois tout récupérer dans ce... Non, mais... Oh, Carlender. Alors, de base, Roblox, j'aime pas trop, mais après, je dis pas de jouer... Pour les follow, ok. Après, je trouve c'est dommage de jouer juste pour avoir des follow. Enfin, le plus important c'est de jouer pour le plaisir. Mais voilà. Moi, je m'en fous. Je peux très bien jouer avec les jeux que j'aime, mes jeux préférés. Mais et d'avoir peu de followers, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a fait avec XG, enfin avec JBorg. On joue avec des jeux. Des vieux jeux même, mais qui sont plus à la mode, mais voilà, on prend du plaisir et c'est le plus important. Alors en 2v2, ne me pose pas la question parce que je viens de reprendre Rocket League et voilà quoi, je ne sais pas, dis-toi que ça fait une éternité que j'ai plus joué à Rocket League, donc je viens de reprendre. Allez, il faut marquer. Oh, dommage. En fait, je suis même pas classé en fait. Si je reprends Rocket League, c'est que je suis même pas classé. Voilà, ça peut répondre à ta question. Ouais, c'est marrant de jouer avec le follow. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, je peux faire. Moi, il y a des jeux assez populaires que je peux faire. Par exemple, les derniers matchs. Écoutez là. Je peux faire par exemple du Warzone. Moi, j'aime beaucoup Warzone. Apex aussi, j'aimerais bien reprendre. Je sais que mon frère il est à fond sur... Oh, Manmat. Sacré Manmat, je le connais bien lui. Il m'a demandé en ami, c'est beau. Hein. BO2 aussi, oui, bien sûr. Je commence à récupérer. Ça va le faire. Ça va le faire. Oh. C'est bon, j'ai récupéré. C'est bon.
Il a... J'ai pas pu marquer, mais il a finalisé. C'est beau. Merde. Pardon. Pas récupéré à 100%, mais je le récupère gentiment. Oh oh. Je crois que j'ai des configurations à faire. Et fonce, je prends le... Reprends. Cool. Mon ping est stable, oui c'est bon. Oui parce que sinon j'aurais pas pu streamer. Merde. Oh. Aïe aïe aïe. Bon 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 bon. C'est con ce que j'ai fait. Alors... Rire du Joker, c'est juste insupportable. Parce qu'ils ont fumé. Oui, c'est bon, c'est pour pour rattraper le coup d'avant. Ah, c'est top. Pas assez de boost. Mince, mince, mince. Ok.
Et salut HVDKN, j'arrive plus à prononcer. Tu vas bien? Ça va bien? Merci, et toi? Aïe 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 aïe. Oh. Bon. Loin d'être mon meilleur game, je reprends Rocket League gentiment, mais c'est pas mal. Ça marche, Titi. Alors je vais t'appeler Titi. D'ailleurs, il est où, gros mineur, hein? Oh, c'est bon, c'était nul comme blague. Par contre, on voit que j'arrive plus à me concentrer. Bon, je crois que ça va être mon dernier match avant la fin parce que j'arrive vraiment. Non ! Alors ça c'est la honte. Ça c'est la honte absolue. Non, Gibor, rappelle-toi. Le site est en maintenance. Oh, mais... oh, j'arrive plus à jouer. Oh, j'arrive plus. Ah, j'ai plus de boost. On va dire ça comme ça. Titi. Non, mince, 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 mince. Top. Cadré. Bah c'est cadré. Magnifique. Merci pour l'aide, adversaire. Oh là là. Ah, excuse-moi, Titi, j'ai pas vu ton message d'avant. Alors non, je fais pas du classé. Non, parce que je viens de reprendre Rocket League. Et puis, non. Pas pour le moment. Pas de boue.
C'est beau. Ah, je l'ai loupé. Ça sert à rien, ça. Dommage. Égalisation. Ah, ça passe pas. Bon. Prolongation. Victoire. Défaite. Sandwich. Oh là là, je dois tout réapprendre. Ça, j'aime pas. Ouf. Il faut qu'on gagne. Vas-y, Marc. Oh merde! Passer juste en dessous de moi, pardon. Oh, il a fait un sauvetage. C'est beau. Oui! Entre. Non, entre. Oui. C'est beau. Yes. Beau ça. Magnifique. C'était notre cher Mad Max, que je connais très bien. On va récupérer. Ah. C'est
Ok, bon. Assez joué pour ce soir. C'est un plaisir. Et n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube. Et puis on a également un Discord. Je vais vous mettre le Discord. Comme ça, vous pouvez joindre toute la team. Ça ferait vraiment plaisir. Alors, on va juste afficher. Tac. Merci Jiborg. Et puis pendant ce temps, pendant que je vous laisse admirer la fin, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était une belle soirée. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Je vais préciser demain sur les réseaux sociaux et sur Discord les nouveaux horaires de live. Vu que ce stream a été un succès, on va continuer. Bonne soirée tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.